Donc salut petit Piyou, ici l'agent PA47. On se retrouve pour du coup Hitman 3. Et normalement, ouais, il y aura la sortie du jeu. Ok, c'est cool. Ça c'est bon. Non, je veux pas le son de la caméra en plus, ça va merder. Donc voilà. Comme je disais la dernière fois, je crois que c'était lundi de la semaine dernière. Je trouvais le jeu fun. J'avais fait la démo du premier. Bah là, du coup, j'ai craqué, hein, et j'ai pris le jeu complet. Et je vais commencer par faire les missions du premier et deuxième, parce que j'ai pas du tout fait les Hitman. Et du coup, on va y aller. Donc, qu'est-ce que je vois? Salut! Oh! Moxdi, ça fait longtemps, et salut Marzi. Bienvenue à vous. Et j'en profite, n'oubliez pas d'aller sur le Discord afin de me dire lequel des deux nouvelles versions de mon logo vous préférez. Bon, vous êtes là pour les jeux autant que pour m'entendre raconter des conneries, donc on va y aller. À savoir, donc Hitman, j'avais fait un ancien Hitman sur Xbox, première du nom, je crois. Salut Chacha! Je crois que c'était sur la Xbox première du nom. Bref, donc Hitman, c'est des jeux auxquels j'ai très peu joué. Et globalement, je suis très mauvais. Ouais, j'ai vu Marzi, merci. J'ai vu que tu avais donné ton avis sur le Discord. T'as été le premier même à donner ton avis. C'est bon, ma voix est pas trop forte par rapport au jeu ou inversement. Donc voilà, on va commencer par Paris, la capitale de la France. Ouais. Vous connaissez la suite. Donc, on va commencer par Paris. Vous voyez, on voit la tour Eiffel dans le coin du truc. Allez, zou. Donc, je refais pas le tuto, ce que j'ai déjà fait en stream. Vous entendez pas le jeu. Alors, c'est quoi ces conneries? Moi j'entends. A priori, vous devriez l'entendre, mais du coup, je vais peut-être augmenter un peu le son du jeu. Voilà. En théorie, vous êtes censé entendre le son du jeu. Non, mais j'ai déjà fait le test final. C'est le test. C'est bon. Ok, c'est cool. Merci, merci. Allez, c'est parti. Good evening, 47. Your destination is the Paris Fashion Show by Sanguin. One of Europe's leading couture brands. Your targets are Sanguine owner Viktor Novikov, a former oligarch turned fashion Novikov. And his partner Dalia Margolis, a retired supermodel, an iconic power couple on the global fashion scene. En gros, effectivement, c'est un jeu où il faut sauver des gens, mais en fait, on est surtout là pour les tuer. Novikov and Margolis are in fact the ringleaders. Merci, Rocher Alpha, bienvenue à toi. Je sais que toi, tu viens de chez NetGhost, si je dis pas de conneries. Unscrupulous. Bienvenue à toi. Iago has caused disastrous security leaks all over the globe. J'ai pas suivi l'histoire. When Crimean separatists caused a deadly meltdown at the Odessa nuclear power plant, Iago gave them access to the plant security network. And when the Delgado drug cartel shot down the plane of President Hernandez and his family, Iago provided the classified flight plans. Ok. Now Novikov ah, je suis content. And Margolis have obtained a knock list of British undercover agents, which they plan to sell at a secret Iago auction during the Sanguine show. La suivi. So our client, MI6, need us to stop the ringleaders before the knock list ends J'ai up pas in the suivi wrong l'histoire. The Sanguine show will be swarming with security, and Viktor okay. Novikov will be the focus of everyone's attention. Okay. Despite his posturing, he is merely the money man. The real okay. target is Dalia Margolis, beautiful and brilliant. She okay. is a master manipulator and the true brains behind Iago. D'accord. Two targets, a C'est highly quoi, Iago, public en fait? event. At first glance, an impossible task. Then again, I do know how you love a challenge. Ah, je l'avais pas vu. Ok, la mission est à 7h47 parce que c'est l'agent 47. Et moi, je suis l'agent bas 47. Allez, c'est parti! Alors, j'ai un souci avec mon manteau. Ah.
Donc, objectif, briefing, cible, Victor Novinovinovinovikor et Valar Morghulis. Préparation. Départ au pied rouge. On peut prendre des objets de contrebande. Et pourquoi je prends cet accent, je ne sais pas. Un corps de piano pour étrangler les gens, des pièces de monnaie pour faire discrétion. On a notre... On veut voir du sang? Mais duquel, Marzi? Ah, je peux changer de costume. Après, c'est un fashion show, hein, donc... obligé. Est-ce qu'il est en costume classique? Ah mais voilà, je vais y aller en clown au fashion show. Allez, c'est parti. Difficulté, recrue, professionnel. Allez, c'est bon, on va y aller en difficulté moyenne. Je peux pas? Ah merde! Non, c'est bon. Je croyais que ça allait remettre toute la cinématique. On va jouer, voilà. Non, 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 Marzi, c'est pas un accent corse. On va dire que c'est un accent de mafieux italien, hein. Voilà. Ah non, j'ai rien contre les Corses, bien au contraire. J'en connais qui sont très sympas. Oh là là, on dirait la défense de gros racistes, merde. The show is just about to start. Bref. This is the red carpet event of the season, and the guest list is a veritable who's who of the global fashion elite. You will find Victor Novikov basking in the spotlight, while Dalia Margolis hosts. Mais non, je suis censé être en clown. Vas-y. Bon, Yago, c'est les méchants. Keep a watchful eye on any suspicious activity, but I trust your timeless look shall fit right in. Ok, dans Aladdin. Allez, c'est parti. Showstopper. Alors, par contre, je vais re-augmenter la luminosité de mon écran. Le vôtre a l'air d'aller, mais moi, par contre, je vois que dalle. Et comme j'ai de la lumière juste en face, là, qui vient de la caméra, enfin, pas de la caméra, mais du truc autour de la caméra. Bon, c'est fluide. Ça a l'air. Si tu veux tuer un Italien, pas besoin d'armes, faut juste casser en deux des spaghettis. Effectivement. Mais j'étais censé être en clown. Petit clown comme ça, comme dirait Shishiyu. Bon, c'est fluide. Je vais pas maîtriser le pauvre caméraman, il a rien fait. Ah, je suis content de jouer à Hitman. Je sais pas pourquoi. A savoir, mercredi, je serai sur Star Wars Jedi Fallen Order. Peut-être que mercredi soir je ferai la démo de Monster Hunter Rise avec Chacha, mais c'est pas sûr. Bonjour! Cherchons la femme spaghetti. Ouais, Valar Morghulis. Alors. Bonjour! Ok. D'accord, donc en fait, Yago est du coup. Sanguine est une couverture pour Yago, le mec qui a pas suivi du tout le scénar. J'ai juste envie de l'attraper, de le buter maintenant, mais il faut qu'on voit où est la meuf. Voilà. Bonne soirée. Marrant parce que le vigile là il ressemble à moi mais en plus bof. Oh. Les jeux d'ombre et de lumière sont assez sympas. Oui, non, faut s'enfuir après l'assassinat, c'est pas comme les Assassin's Creed. Quoi? Ah merde! Oh! Allez, Paris Fashion Show! Je suis camouflé dans la foule. Je suis l'agent 47. Pas qu'agent 47. Pa 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 p
tueur en série, monsieur. Le mettre devant, on verra mieux en fait. Madame, vous avez l'air d'un cadavre. Je veux pas être méchant, mais est-ce que c'est une critique du monde de la mode par les créateurs du jeu? Ça doit être elle, la femme spaghetti. Mais ce sont toutes des femmes spaghetti, regardez comment elles sont maigres. J'ai très envie de monter sur scène. Eh. On va essayer de la jouer... Alors on a un défi de mode, et il y a très peu de gens qui regardent en fait. Et ils sont tous au bar, bande d'alcoolo. Clapou, clapou. Oh, cette bande d'alcoolo. Ah non, mais on vient de pouvoir défier de mode, mais franchement, moi je préfère être au bar et boire. Et moi je peux demander à boire? Poisonné. J'ai pas de poison déjà. On va faire ça. Voilà. Sur le podium. Le petit Théo Spaghetti attend ses parents à l'accueil. Voilà. C'est fait. Bon, on me cherche, hein, mais ça valait le coup. J'attends juste qu'ils arrêtent de me chercher. Aïe aïe aïe. Oh, c'est con comme jeu. Bon, arrêtez de me chercher là. Je suis caché. Regardez, je suis à quatre pattes. C'est bon, ils ont arrêté de me chercher. Non, mais c'est pas lui. Le mec qu'on a vu tout à l'heure, il était confiant, il allait directement là-bas. Je pense que la femme spaghetti va se dire, faut que je vais chercher Théo. Ah bah ouais. Ouais, j'aime autant la musique électro. Bonjour. Non mais ne soyez pas soupçonné. Moi je suis juste un monsieur chauve. Bonjour. Et donc la conjoncture économique actuelle, voilà. D'ailleurs vous avez vu actuellement les problèmes qu'il y a dans la région parisienne, blablabla. Aide d'intrigue mise à jour, qu'est-ce que c'est? Inventaire. J'ai un téléphone caméra. Disait. Intrigue. Boisson mortelle. Dans l'ombre. Invité d'honneur. Intrigue perdue, vous avez raté votre chance. Merde. Jouer avec le feu. 15 secondes de gloire. Ah oui, je... Ok. Alors, je vais pouvoir, si je comprends bien, me déguiser. Pour aller sur scène pour de vrai. Putain, c'est trop bien. Ah, il aurait fallu que je devienne un journaliste aussi. Ah, ok, il y a des trucs à faire, hein, mine de rien. Et alors n'oubliez pas ceux qui viennent d'arriver de passer sur le Discord, le lien, il suffit de le faire apparaître en tapant point d'exclamation Discord dans le chat, afin d'avoir un petit sondage, savoir quel nouveau logo j'utilise en fait. J'en ai créé deux versions, mais je préfère avoir votre avis. Bon. Oh fuck! Alors Morgulis, elle est par là-bas, là, la femme spaghetti. Je la vois sur la map. C'est qui? Ah non, c'est Nobukov. Je jette de l'argent. Les gens qui sont là. Quoi? L'argent? Victor!
Mais cours, saloperie! Mais cours! Putain. Aïe, aïe, aïe. On va replanifier la mission. Notamment parce que... Voilà. Moi, je veux arriver comme ça. Objet de contrebande. Qu'est-ce qu'on peut avoir ? Pistolet, c'est pas très intéressant. Des écouteurs. On étrangle les gens à coup d'écouteurs maintenant. Ah, rejoins l'émission, je peux débloquer des trucs. Ok. Allez, c'est reparti. Moi, je me serais jeté sur l'argent quand tu l'as lancé, MDR. Ah oui, bah non mais c'est juste une pièce. Ah, voilà. Non, le jeu n'est pas gratuit. En revanche, il y a certaines missions qui sont de temps en temps gratuites à jouer. Voilà, donc là par exemple, je crois que c'est la mission 5 du troisième jeu qui est gratuite en ce moment, quelque chose comme ça. Mais hop, passe devant. Voilà, le jeu n'est pas gratuit. En revanche, quand les jeux sont gratuits, je vous le dis. Mais n'hésitez pas à passer sur Instant Gaming pour l'avoir pour pas trop cher. Voilà, petit partenaire. Alors, fumez, nous gravons à votre santé et à celle de votre entourage. Ne fumez pas, en plus ça coûte cher. Allez, allez voir là. Arrêtez de fumer, madame. J'ai illégal tout de suite. Très bien fumé. Du coup, je recheck un peu les touches. Et... Il passe devant la caméra. Non, mais parce qu'en fait, mon idée là, c'est de... Choper le mec en fait. La caméra. On va grimper ? Bon. Qu'est-ce que je fais ? J'essaye ? J'essaye. Mais cours ! Mauvaise approche. Mauvaise approche. Ça se trouve, je vais finir le stream vers 15h. J'aurais pas avancé. Mais je me serais marré. Oui. Hop. Donc. D'accord, on passe devant. Hop, non, bah. Il est très bien mon costume. Oh, c'est clown.
Les petits clowned. Ouais, oh, hey, j'ai pas le cerveau noyé dans la coke. J'ai le cerveau noyé dans le talc pour les clowns. Bon. Donc du coup, ça, on verra. Ouais, faut que je trouve les cuisines, peut-être. Il y avait une idée de rentrer par le parking et tout. N'hésitez pas aussi, si vous avez un abonnement Twitch Prime ou Amazon Prime, à vous abonner à ma chaîne. Voilà, ça me fera plaisir. Et au bout d'un moment, au bout d'un certain nombre d'abonnements, je ferai un tirage au sort avec uniquement les abonnés pour vous offrir un jeu. En plus, quand vous êtes abonné, vous n'avez pas besoin de taper 30 secondes de pub avant le début de la vidéo. Ouais, je dis... Ah oui, je sonne quand même YouTube Premium, là. Mais... Je suis pas là. Bonsoir. C'est suspect. Mais non, mais regardez, je suis un clown, tout va bien. Ah, ah non. C'est pas la façon la plus intelligente de passer. Je vais y arriver, hein. Pas peine de reprendre. Je vais y arriver. Oui. Voici. Alors déjà, on emmerde les journalistes, par principe. Ouais, allez, get on with it. J'aimerais bien avoir une fontaine comme ça chez moi. Voilà, let's take a break. Bonjour, vous ressemblez à Staline. De rentrer discrètement. Mille façons de mourir dans Hitman 3. Non mais c'est... Ouais, non mais clairement quoi. Max Decker of the Russian FSB. Some Cold War dinosaur. Must be pretty important for Novikov to take time out during the show. Novikov is meeting Max Decker, a senior agent in the Russian FSB. Small world. The FSB has been mounting a criminal case against Novikov. Le chef de section de Decker, Nikolai Kamarov, s'est suicidé l'année dernière. Étonnant. Comment qu'on y aide. Quoi qu'il en soit, c'est peut-être l'occasion de surprendre Novikov loin des projecteurs. Ok. Ah. Ah non, on va voir ailleurs si j'y suis, monsieur. What? Je suis pas là, foutez-moi la paix. Ah, lui est tout seul. Voilà, on avance cette fois-ci. Voilà.
Ah. Voilà. Bonjour, je suis un agent de la sécurité. Bon, discret sur Terre. En même temps, les clowns, c'est pas censé être discret. T'as retrouvé ? Oh, c'est pas grave. Voilà. Desserrer la soupape. Hop, bon. Au moins on avance. On avance. Uniforme scolaire à Sheffield. Ouais, bro, what's up? Hop. Ok. On avance. On est où là? Kikoff est pas loin. T'es dans la zone hyper select. C'est déjà ça. Alors voilà le journaliste. Hey, c'est chaud. Napoléon Bonaparte. Exposition internationale novembre-février. Oui, oui, je prends l'âge de guerre. Hop. Bonjour, je suis un agent de la sécurité. Ah ouais, c'est l'entrée en fait. J'ai fait tout le tour pour rien. Consultez les renseignements. Valérie Sinclair, la célèbre rédactrice en chef du magazine Showstopper, a découvert le secret de Novikov et compte le faire chanter. Elle a réussi à obtenir une invitation pour les enchères Diago à l'étage et sa jeune assistante Lisa s'apprête à y entrer incognito. Ah, c'est à ça qu'elle sert la madame. C'est là? C'est à ça qu'elle sert la madame. Is there a problem, miss? Voilà, y a un problème, madame. Y a un problème, madame. Ah, il faut que j'aille récupérer la caméra, du coup. Le jeu qui me propose des missions à la noire. Donc, là, il suffit de retourner voir le caméraman à l'entrée. Ah merde, salut Ned Ghost, je l'ai pas entendu, le waouh. C'est quoi, c'est les chiottes? Ça va être pour femme, par contre. Valerie wants me to do something for her, and it's for all the wrong reasons. Plus, I think it might be dangerous. Yeah. Okay, you know how Valerie's had a team of crack investigators following Novikov's every move for the better part of a year? Like surveillance, trash digging, hidden mics, like the whole thing. Bienvenue à toi, Ned Ghost. Hein. Donc on est sur Hitman. C'est la première mission du premier jeu, en fait, parce que quand t'as le 3, t'as toute la trilogie. Si t'as... Je crois que c'est un DLC. Voilà. Donc là, on est en train de faire la première mission du premier jeu. Par contre, les traductions et les sous-titres sont assez chelous, en fait. Là, je suis en agent de sécurité, j'ai réussi... je suis arrivé, j'étais en clown. J'ai réussi à rentrer dans le truc, j'étais en clown. Ah bah voilà. Déborder l'évier.
Ça servait à rien. Oh madame. Move away. Hop, on la déplace. Allez. Qu'est-ce que j'ai chopé là? Seconde invitation. C'est con, j'en ai déjà une. Procurez-vous une tenue de garde du corps. Camoufler un personnel du palais. Ouais, non, j'ai pas ce qu'il faut. Alors, par contre, ce que j'aimerais bien, c'est pouvoir courir en fait. On est un agent secret, un assassin. On ne court pas. C'est pas ça que je cherche. Je cherche l'entrée. Salut Coco. Ouais, on est un peu dans le fossé là. Ah, la musique elle est forte. Parce qu'elle défile à côté. Avec des tas de connards. Pardon, mais j'ai besoin de votre tenue. Je voulais récupérer la caméra du journaliste à l'entrée pour la filer à la madame qui fait l'interview. Parce que peut-être que je pourrais du coup m'introduire subrepticement. Ouais, j'ai mis... Ah oui, à savoir, j'ai mis des défis de points de chaîne. Jamais. Vous êtes tous les journaleux, bordel. Ils étaient là. Arrête d'être suspicieux. Plus Ouais non, le wow, on l'entend pas. Hein. Ouais, il y a des défis à la con. Normalement, ça devrait apparaître au-dessus du chat. Bon, allez. J'aimerais au moins réussir à en tuer un des deux. Là, on tourne, on essaie de voir les opportunités, mais... dire, mais vous êtes tous habillés pareil. Franchement, moi je voudrais bien une maison comme ça. Hein. Ah, en tant qu'agent de sécurité, cette fois-ci je me fais pas agresser. Oh. Ferme. Et qui fait des jeux de mots pas drôles. Excusez-moi, je suis un agent de sécurité. Mais agent de la paix avant tout. C'est quoi ça? Ah, je peux dissimuler des objets dans les... Ok. J'ai l'affaire, ouais. Bonjour. La politique. Lucas. Plus la nuque. Hop, bonjour, je suis un garde du corps parfaitement normal. Wow, pourquoi il serait soupçonneux? Voilà, je regarde la scène avec Notre-Dame là-bas. Rip.
Merci. Caché. Ouais, j'ai oublié de lui prendre son caleçon, effectivement. Allez, je suis caché. Personne ne me voit. Lol. Je citerai les gardes de Skyrim en disant ça ne devait être que le vent. Soleil, soleil, enfin on en avait marre de la pluie, ouais. Je suis compromis? Mais non, je suis pas compromis. Hop. Je vais les foutre dans la caisse. Déguisant un mot de couleur. Hein? Voilà, on s'est déguisé en un autre mec, du coup on n'est plus compromis. Mais ouais, ils sont tous chauds comme moi, c'est... je sais pas. Je rejoins l'autre, et on récupère le troisième, qui a été gentiment mis... Enfin, par la sécurité, je veux... Dahlia, c'est Helmut Kruger. Voilà, parfait. On avance. Dahlia, Helmut here. Remind me again. Where were we supposed to meet? Second floor, Voltaire suite, next to the auction. Got it. Okay. You want me to drop by now, or... No, no, it's essential that you walk the runway. Do the job, then come see me right away. Fais-moi la paix, je suis pas suspect. J'ai Helmut Kruger. Hey idiot, drop the sidearm. Now is the... Oh, who's the big man now, huh? Yeah, you're going down. Ah! Hop. Ils sont chiants. Allez, hop. Alors. Allez, le mec s'appelle Helmut Kruger. Hein? Donc. Ah ouais, mais non, mais du coup... Voilà. Je suis pas censé avoir cette arme, je crois. Quoi ça? Serrer la soupape. Porte. Donc au deuxième étage. Non, il faut que je défile d'abord. Quoi, faut que je récupère une tenue de garde du corps, sérieusement? Merde. Que le mec court pas, c'est très chiant. Bon, je sais où j'en ai laissé une. Cours, cours, cours. Pourquoi tu cours pas? Ah tiens, il y a une vision de l'aigle. Ah bah quand même. Là, on garde du corps. Ça servait à quoi que je sois Kruger?
écoute, je suis garde du corps, mais agent de la paix avant tout. What the hell is a bare knuckle boxer? What? The sanguine boss, Novikov. He asked if I could make him one. Oh, that! Ah, y a énormément de façons de s'introduire dans le truc. Trop bien. Ok, on pourrait empoisonner son cocktail. Hop, hop, hop. Bonjour. Mr. Decker, Max Decker. Mr. Novikov will see you. I will escort you to the rendezvous point. Escorter des cœurs jusqu'au pavillon. Chiant, j'en viens. Tu suis, hein? Les missions sont relativement longues, mine de rien. Ça va nous faire pas mal de temps. Je suis Max Black & Decker là. Il est où? J'ai plus le fusil d'assaut. Qui n'est plus le fusil d'assaut, ça peut être un problème. J'ai pas la clé! En vrai, peut-être une porte ouverte. Escorting. Ah, ok. T'es censé passer par la porte ouverte! Échec de l'intrigue? Mais non, pas échec de l'intrigue! Bon, hein? Fuck it! On y va, on charge, on les bute. Voilà. Ça, c'est les toilettes pour femmes. Est-ce qu'il y a des trucs? On est obligé de faire ça. Oh non, ça fait creep. Ça fait creep. Oh non. Le mec, il fait déborder les toilettes des femmes, après il se cache dans le placard. Sérieusement. Est-ce que je peux prendre cette nuit? Non. C'est bien dommage. Allez, madame, vous allez faire un dodo. Toilette des hommes. Si. C'est reparti. Ou une armoire dans les chiottes. Sérieusement. Allez. Voilà. Se déguiser en personnel du palais, ça me semble pas mal. Et alors le monsieur... Ouh, dans le placard. Allez, au placard. Où
empoisonné, je n'ai pas de poison. C'est le poison ? Poison ! C'est peut-être une erreur, hein. Pas dû faire ça. Wow. Alors. Bon, c'était peut-être pas une bonne idée. C'est con, j'étais pas loin. Merde. La plus récente, c'était celle dans les toilettes. Ok. Donc il faut que je fasse plus gaffe, il faut que je tue en fait le garde du corps avant. Parce que c'était pas con, au final. Alarme incendie. Hotel. Allez, venez, venez, venez. Pourquoi ils viennent pas ? Oh non ! Ok, c'est pas du tout là où je voulais aller. Ça, c'est moi. Oui. Il est là ? Non, il est à l'étage. Bon, il faut que je monte à l'étage, de toute façon. Téléphone, pièce de monnaie, non. Voilà. Voici, on monte. Voir un peu ce qu'il y a là-haut. Staff, le staff. You guys are so cool. Seriously. Si. Oui, mais ça va, ça passe. Donc il y a des caméras de sécurité en plus. Première nouvelle. Allez, allez. On essaie de finir la mission avant 15h. Ils sont descendus les bâtards ? Non, mais il est pas à cet étage! Merdouille!
Par contre, vous... Tâche supplémentaire. How you been? T'as rien vu. Ouais, c'est ça, casse-toi. Hop. Qu'ils ont rien vu. Mec, ils ont rien vu. Sécurité, ça s'amène à d'autres toilettes. T'as qu'ici une toilette ici. Ah voilà un escalier. Hop, on est passé. Tranquillou bilou. Ah ils sont là. Ils sont pas là. Ils sont où ? Ils sont où ? Punaise. Étage en dessous. Qu'est-ce qu'il fout à l'étage en dessous ? Qu'il y a des trucs rigolos à faire ici. Oh, il y a des gardes ici. Ah ouais. Ah ouais. Il se passe des trucs en fait. Ah merde, il y en avait un autre. Hop hop hop. On est chaud. Chaud. Hop. On est caché. Il y a lui qui se barre. Et du coup, je vais être considéré comme compromis. Oh! Y'a quelqu'un là-bas. All right, stand down. Stay on your toes, he'll be back. Que dalle ici, c'est impressionnant. On a fait le ménage. Oh fuck. On va pas rester là. Ah, il y a un étage encore au-dessus et je pourrais faire tomber ça peut-être.
Come on, chest out, chin up. Censé être compromis, mais je passe tranquille. Ok, donc là il y a Dahlia. Looking good, man. Can I help you? Non, vas-y, casse-toi. La tuer là maintenant, hein. Voilà, il y a plein de gardes. Tentez de trouver une... Ça, c'est en fait le rendez-vous des grands manias de tout. Là, on a de la bouffe. Madame, si vous voulez bien quitter la pièce. Pas envie d'aller aux toilettes par hasard. Prince Poe, how is your father? He is the sun and the moon, Miss Margolis. He does not complain. Est-ce que c'est raciste? There's an item coming up. You might find it interesting. A certain list, courtesy of MI6. I see. Thank you for the information. I've been meaning to ask you, how do you do it? All est-ce que c'est raciste? Secrets. What is your trick? Oh. Allez, bouge! Je veux voir si je peux pas trouver un endroit sympa pour t'assassiner. But if you don't tell us your secret, how can we know you're not doing the same thing to us? You don't. You'll just have to ask yourself whether the benefits I provide outweigh the damage I might inflict. Si je faillis complètement, je suis censé être compromis. Hein, les mecs ils me cherchent de l'autre côté. Mais non, un random civil. Secret. Ah, attendez, il y a quoi ici? Il est de hors-bord. C'est le mec qui a le même déguisement que moi. On va le cacher. Eh, on s'en sort, hein. Alors, le mec est là-bas. Et d'accord, les treuils, c'est pour ça. Oh, quelle horreur! Il faut un nouveau costume. Mais attends, le mec, c'était pas un super costume qu'il avait? Et si? Allez, surinez le mec!
Eh, on va s'en sortir, hein. Là, je bute le dernier, je cours, et c'est bon. Il est là-bas. Briser le socle. Si j'avais un pied de biche, je pourrais faire des trucs bien dégueu. Donc le mec, il est... Est-ce que je peux l'atteindre de là, non? Je vais prendre l'hélicoptère. Non, le hors-bord. Je vais prendre le hors-bord. Oh, ce petit coup de flingue là, à distance. Ah, je suis très content de moi. On va avoir réussi cette mission. Pas du tout comme c'était prévu, mais quand même. Descends, voilà. Je préfère prendre le hors-bord. J'ai les clés du hors-bord, alors que l'hélicoptère, je sais pas. Bon, a priori, s'il me le propose, c'est que c'est bon, mais je sais pas. Partir en hors-bord, ça fait... Partir en hors-bord sur les canaux de la Seine, il y a un petit côté film d'espionnage qui est sympa. Je m'en fous d'être compromis. Ouah. Et on a fini la mission. Parfait. Wouh ! Eh, c'est génial. Franchement, je suis content de ce jeu. Je pense que tous les samedis, on va faire du Hitman. Ouais, je m'en fous. Bon. Un jour auparavant. Du scénar. Monsieur qui a l'air un peu malade. Ouais, 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 ouais. Ah, c'est ça. How was Moscow? Kamarov. Oh, Moscow. Ah non, Kamarov. C'est un Langley spy. C'est quite the scandal at the FSB. His death. Ah, c'est le fameux rendez-vous, ok. Your turn. Ok. Very well. The secrets of the global elite. Sure. 5 years of work. Everything we've collected. This thing makes look like a gossip rag. Oh, Wikileaks. The pen beats the sword, huh? Et on est en le jeu est sorti en 2016, la première mission. Whoever wields the sword. La guerre froide elle est finie. Attends les gars. Maintenant le grand ennemi avec beaucoup de guillemets, c'est la Chine. Smile, Victor. Your reputation is safe. Pourquoi tout le monde a l'air malade? Now run along. I'm sure you have pretty dresses to attend to. Victor. Oh. Good luck with the show. Merci. I have a feeling. Je suis un peu triste. Going to be the one you'll be remembered for. Un peu triste parce qu'on n'a pas. J'ai pas défilé en tant que mannequin. Mais bon, c'est bien passé. Hop, on retourne au menu. Ouais, je vais avoir des problèmes, ouais. Mais je veux dire l'ennemi des États-Unis, hein, pas de la France. Bon, eh bien écoutez,
Ça m'a fait super plaisir. Donc moi, je vous retrouve mercredi vers 18h pour du Star Wars Jedi Fallen Order. Et mercredi soir, peut-être pour la démo de Monster Hunter Rise sur PC. Avec Chacha. Normalement. Voilà. Donc, bon week-end, bon début de semaine. Et à mercredi.